Salut, salut, moi c'est Lil Kara, bienvenue au Celebrity Tour. Bon, quand j'étais en quatrième, je vendais les caramels en classe. Bon, c'était aussi parce que je viens pas d'un milieu riche en tout cas, et moi pour m'en sortir à l'école j'étais obligé de faire une activité quand même, on va dire quoi, parascolaire, une activité commerciale, et je vendais les caramels, et d'où vient mon nom, le caramélisé. Donc durant tout mon cursus en école secondaire jusqu'à terminale, on m'appelait le caramélisé. Et quand je suis arrivé en terminale, j'ai voulu me lancer dans une carrière proprement dite. Il me fallait un nom de scène qui puisse inspirer d'autres personnes. D'où vient le nom Lil Kara, inspiré de le caraméliser en fait. Bon, je dirais que mon albinisme aurait joué un frein ou un atout à ma carrière selon ma perception de la vie. Si j'étais pessimiste, si j'étais quelqu'un de faible mentalement, ça allait jouer un frein à ma carrière. Mais puisque je suis quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, je dirais que ça joue plutôt un atout. Et plusieurs personnes sont surpris que quelqu'un comme moi, qui ait cette couleur de peau, ait, comment dire, cette joie de vivre. Donc, je dirais plutôt que c'est un atout pour moi. Et j'inspire des personnes, j'essaierai aussi d'inspirer des personnes à savoir que un albino, ce n'est pas un être différent, c'est un être comme tout le monde en fait. Absolument, absolument. Qui ne se voit pas dans un film? En fait, moi, je suis dans le domaine de l'art. Donc, je n'ai pas une passion proprement dite. C'est vrai que ma passion, c'est la musique. Mais je me verrais bien dans un film. Parce que c'est aussi un truc que j'affectionne beaucoup. C'est un domaine que j'affectionne beaucoup. Donc, je me verrais bien dans un film, on dirait Fast and Furious 95. Ok, mon secret pour avoir confiance en moi, c'est de manger beaucoup d'avocats. Non, sérieux. En fait, il faut juste prendre la vie du bon côté. Dis-toi que ce que tu dégages va inspirer d'autres personnes autour de toi. Fais tout pour dégager une aura positive. Une aura positive autant pour moi, parce que d'autres personnes seront inspirées par toi. C'est tout. Je suis célibataire. Bon, c'est vrai, certains diront que c'est que si Maï est en couple, mais sans mentir, je suis célibataire. Je suis à la recherche de l'amour, donc contactez-moi. Ma plus grande difficulté au début, c'était de trouver un concept. J'ai touché un peu le tout. Pour ceux qui me suivent depuis le départ, ils savent que j'ai touché un peu le tout. J'ai fait tout genre de concepts, tout type. J'ai même fait les J'ai même créé ma valise de concept camerounais, ouais, j'ai tout fait. Mais j'ai trouvé un concept qui buzzait. Parce que moi, mon concept, en fait, je me fais connaître déjà mon concept de la SAP et je chante aussi, on me connaît par ça. Mais bon, c'était de trouver un concept. C'est difficile. Dans un monde, il y a beaucoup de concurrence. Trouver ton propre concept, c'est pas facile. Je dirais. Bon, voilà. Parce que nous, on préfère la quantité dans la qualité. Bon, je dirais que je préfère des filles matures. Peu importe ton âge, il faut que tu dégages une certaine maturité. Bon, c'est vrai que cela peut être trop âgé, mais je préfère des filles matures. Ma vidéo qui m'a fait le plus rire, c'est ma première vidéo de la SAP. C'est vrai que d'autres diront que c'est la vidéo là où je parle de la Ferrari humaine, la Ferrari humaine, mais bon, c'est ma première vidéo de la SAP. Parce que c'était le début d'une longue histoire. En fait, c'est le début d'une longue histoire qui va encore continuer. C'était un dimanche, je n'avais rien à faire. Genre, je vois ma garde-robe, je vois, je n'ai nulle part où aller, j'ai dit, mais j'ai fait qu'avec tous les avis là. Pourquoi est-ce qu'on commence à faire un nouveau concept qui va parler de SAP? Et j'ai commencé, ça a plu les gens. Insecticide. Général Harold, mon frère, Général Harold. Tu es trop fort, mon petit. Tu es trop fort. Chapeau. Mon tout dernier
bien son match, boum, on n'a pas peur de manger l'argent. C'était un jour de tournage comme les autres. J'ai tourné avec Tegis, Tegis officiel, Hiroko, big up à vous les gars. C'est là où un ami que je ne connaissais pas avant le jour là, il vient nous rendre visite. Coloco, monsieur Coloco, que je salue aussi. Il vient à la maison, il me dit faisons les vidéos, puisqu'il arrive en retard, il arrive en soirée. Il dit faisons aussi les vidéos pour moi, non. J'ai dit, on dit gars, mais c'est fait tard, on va encore faire quoi. Il avait des beats, des instrumentales dans son téléphone. Il sort les instrumentales, on fait les freestyles. C'est quel jour l'instrumental Sopi de Naira Mali. J'ai dit, mais ça m'appelle, ça me donne une inspiration. Et c'était le moment là où le concept m'a jumbo de Dragon Rouge chauffait. J'ai dit, je vais faire un truc sur ça. Je vais faire un freestyle. Un freestyle qui a d'ailleurs fait un petit buzz, on va même dire un gros buzz. J'ai été repéré par le grand frère Robinson Pifo. Il me dit, petit, je veux que tu viennes faire le son cela. On va faire ça, on va tout faire, audio, vidéo, tout le travail, on va faire un truc de propre. J'ai dit, ok grand. Je suis venu à Douala, on a enregistré le truc et bientôt le son est disponible. Donc soyez prêts. On n'a pas peur de manger. On mange depuis longtemps.